Gloire à Dieu. Heureuse année à vous tous. Heureuse année à vous tous. À nos jeunes, à nos pères, à nos mamans, aux jeunes professionnels et à nos petits-enfants, bonne et heureuse année à vous tous au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette année soit une bonne, heureuse année pour vous. Que les larmes de l'année écoulée soient effacées au nom de Jésus-Christ. Que l'échec de l'année passée, la dégradation de l'année passée, l'angoisse de l'année écoulée, puisse le Seigneur les ôter de toute vie au nom de Jésus-Christ. Ici au siège et à toutes les églises de notre pays ici et les églises de notre continent et hors du continent africain, partout et à nos amis et à ceux qui adorent avec nous en ligne. Je dis bonne et heureuse année à vous tous au nom de Jésus-Christ. Je prie que dans tous les pays, dans toutes les nations et partout où nous sommes connectés, que vous soyez en direct ou après, je prie que cette année soit une année différente dans chaque vie, une année prospère dans chaque vie, une année de paix dans chaque vie et une année à avoir tous vos désirs assouvis, accomplis, satisfaits au nom de Jésus-Christ. Voilà personne pour qui je prie. Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait et ce que tu continues de faire, ce que tu feras. Je prie que ta bénédiction se multiplie dans chaque vie ici, là-bas et partout dans nos assemblées, sur la planète, en ligne, au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette année, que rien n'empêche notre progrès, que rien n'empêche ton progrès. Et tout ce que le Seigneur a ordonné que tu aies, tu en auras, tu feras cela, tu le seras au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui garde l'Alliance, soit fidèle dans chaque prière que tu fais et chaque mouvement que tu t'engages et toutes les choses sur lesquelles tu imposes tes mains, ces choses vont réussir au nom de Jésus-Christ. L'année écoulée ne va pas s'infiltrer dans cette nouvelle année. L'insuccès passé ne va pas s'infiltrer dans cette nouvelle année de succès au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié dans chaque vie. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a déjà béni. Assoyez-vous. Voici notre monde d'alliance. On fait cela il y a des décennies et chaque janvier, on se rassemble pour nous rappeler la bonté de Dieu, la grâce de Dieu et l'alliance qu'il a faite avec son peuple et comment jusqu'à ce jour, le Dieu qui ne change pas est le Dieu de l'alliance et il bénit les gens selon l'alliance que nous avons avec lui. Aujourd'hui, je vous parle d'une alliance meilleure avec de meilleures promesses en Christ. Une alliance meilleure avec de meilleures promesses en Christ. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 8, verset 6. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est. Il était, il est, il le sera, il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie, qui a été plantée, qui a été mise, qui a été posée sur de meilleures promesses. Il nous donne une meilleure alliance. Le Seigneur a fait alliance avec Abraham. Et lorsqu'il a fait alliance avec lui, il a accompli les termes de l'alliance. Il a donné la bénédiction de l'alliance. Il a fait alliance avec David. Et il a accompli toutes les bénédictions qu'il a dit qu'il
donnera. Il a fait alliance avec la nation d'Israël. Il a accompli les promesses de l'alliance à Israël. Une meilleure alliance maintenant, une nouvelle alliance maintenant, une alliance supérieure, une plus grande alliance maintenant. Et il a amené sa fidélité, il a amené son amour, sa puissance pour accomplir cette meilleure alliance. Une meilleure alliance avec de meilleures promesses en Christ. Voyons le verset 10. Verset 10 dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui a fait l'alliance, c'est le Seigneur qui a proclamé l'alliance, c'est le Seigneur qui a initié l'alliance. Je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Une meilleure alliance qu'il a faite avec son Église, une meilleure alliance qu'il a faite avec son peuple, une meilleure alliance qu'il a faite avec tous ceux qui viennent dans la relation rédemptrice avec lui. Il y a des avantages dans cette alliance, il y a des promesses dans cette alliance, il y a la bonté de Dieu dans cette alliance. C'est pourquoi nous invitons tout le monde, si vous êtes là pour la première fois, je vais vous montrer comment vous pouvez entrer dans la relation d'alliance avec le Seigneur. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, comment vous êtes arrivé et vous écoutez, vous savez que Christ est le médiateur. Il est le médiateur de cette alliance plus excellente. Toute alliance que vous avez faite auparavant, vous annulez cela. Toute alliance à laquelle vous vous êtes donné, l'alliance avec le diable, l'alliance avec la mort, l'alliance avec un gang, vous annulez cela. Vous venez à cette meilleure alliance. Lorsque Dieu appelle quelque chose meilleur, c'est meilleur. Lorsque tout le ciel appelle quelque chose meilleur, c'est meilleur. Quel que soit l'accord que vous avez, quel que soit l'accord que vous avez, la relation que vous avez sur terre, quelles que soient les choses dans lesquelles vous vous êtes plongé, que vous appelez alliance, lorsque vous venez au Seigneur et vous avez cette meilleure relation, quelque chose de meilleur va se produire dans votre vie. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans la relation d'alliance avec Dieu, mais vous dites, mais vous ne connaissez pas les avantages de l'alliance, mais qu'est-ce que j'en tirerai comme profit? Alors comment? Nous allons parcourir tous les dimanches de ce mois et qu'on sera à la croisade pour la proclamation de l'évangile, la croisade mondiale. Nous allons encore poursuivre l'alliance là chaque dimanche de janvier 2023. Et les choses doivent changer dans votre vie, dans votre famille, pour l'œuvre de votre vie, dans votre profession, partout où vous allez. À partir de ce jour, les anges vont dire que voici le fils d'alliance qui vient. Voici la fille d'alliance là. Et le ciel va se réjouir à ton sujet que maintenant tu es entré dans une alliance imbrisable avec Dieu, avec de meilleures promesses et de meilleures provisions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Allons, voyons trois points ici. Premier point, c'est le privilège de base dans la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, une meilleure alliance. Quel est le privilège fondamental que nous avons dans cette nouvelle alliance? Deux, les promesses meilleures dans la meilleure alliance. L'alliance n'est pas quelque chose de superficiel, quelque chose de plastique, d'ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et tu entres dans cette meilleure alliance spéciale avec le Seigneur. De meilleures promesses, de grandes promesses seront accomplies dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et troisième partie, c'est la position du croyant. Quelle est ma position? Quelle est ma portion? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'aurai?
lorsque j'entre dans cette alliance éternelle avec le Seigneur, la position du croyant et sa portion dans l'alliance éternelle. Voyons le premier point maintenant. Nous allons voir le privilège de base ou le privilège fondamental dans la nouvelle alliance. Le privilège de base dans la nouvelle alliance. Nous allons aux Hébreux, toujours Hébreux 8. Nous avons le verset 8. Hébreux 8, 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et le verset 10 dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je, le Tout-Puissant, je, le Dieu qui a fait l'alliance, Dieu, faiseur de l'alliance, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Revenons au verset 9. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié de dire le Seigneur. Pourquoi la première alliance était-elle annulée, détruite? C'est parce qu'ils n'ont pas persévéré dans son alliance. Nous avons un rôle à jouer. Il a fait l'alliance et nous sommes entrés dans cette relation d'alliance avec lui. Et il garde sa part. Il est un Dieu fidèle et nous devons aussi jouer notre rôle parce que c'est la condition. Comment les privilèges nous seront donnés et dit. Et parce qu'ils n'ont pas persévéré dans l'alliance, et lui aussi, il ne se souciait pas de. On doit continuer de persévérer. C'est une condition de l'alliance. Ce n'est pas seulement avoir le culte du mois d'alliance et puis avoir le mot alliance. Mais il veut que chaque jour, dans notre vie, dans notre famille, dans notre vie privée, au bureau, partout où nous nous trouvons, Dieu veut qu'on persévère dans les conditions qui sont stipulés les termes de cette alliance. C'est la seule manière, le seul moyen que Dieu aussi va se soucier de nous pour accomplir les termes de l'alliance dans notre vie. Dieu le fera au nom de Jésus-Christ. Voyons, Jérémie 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Même très longtemps, au temps de Jérémie, lorsqu'il vivait sous les conditions de l'ancienne alliance, et Dieu les a regardés, ils n'étaient pas aussi fidèles qu'Enoch. Dieu les a regardés, ils n'étaient pas aussi fidèles qu'Abraham. Dieu les a regardés, ils n'étaient pas aussi fidèles que Josué. Et les dirigeants qui ont succédé à Josué, ils n'étaient pas vraiment consacrés au terme de l'alliance comme Samuel, comme étaient Jérémie, Esaïe. Et à cause de cela, je vais mettre de côté l'ancienne alliance et dire, voici les jours viennent. Et les jours viendront. Maintenant, les jours sont déjà venus. Les jours sont maintenant venus. Christ est venu. À cause de Christ, une nouvelle alliance a été mise sur place et une nouvelle alliance qui a été établie par Christ sur de meilleures promesses. Et maintenant, en effet, le Dieu dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai
Alors cela provient de Dieu et il nous dit les conditions de cette alliance où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voilà le verset 33 qui nous dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Et il nous dit « Avant ce temps-là, il a dit au peuple que voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. » Pourquoi? Parce que s'ils ont la loi dans le cœur, ils auront son amour dans le cœur. Ils auront sa vie dans le cœur. Ils auront toute l'abondance qu'il leur a promise dans le cœur. Parce qu'ils n'ont pas mené la vie là. Ils n'avaient pas l'amour pour aimer le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Parce que l'amour n'est pas... Parce que la loi n'était pas dans leur cœur. La loi était sur des pierres gravées. Ils ont oublié la loi de Dieu. Ils ont oublié Dieu. En oubliant Dieu, ils ont oublié sa vie, ses provisions, son alliance. Et Dieu dit, voici la solution maintenant que je vais faire cette nouvelle alliance. Et que je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dieu dit, c'est le seul moyen, la seule solution, lorsque la loi est dans le cœur, ils vont m'aimer à tout moment, ils vont mener la vie que je veux qu'ils mènent à tout moment, et à cause de cela, toutes les promesses qu'il a faites à cause de l'amour, la vie et les promesses maintenant seront accomplies en eux. Et Jérémie 32, verset 38. Ils seront mon peuple. Je vais prendre soin d'eux comme mon peuple. Je vais pourvoir leurs besoins. Je vais les protéger comme mon peuple. Je vais les guider, les protéger, diriger comme mon peuple. Mon visage va briller sur eux. Ma gloire sera sur eux comme mon peuple. Alors, il y a deux types, deux sortes de personnes dans le monde. Numéro un, son peuple. Numéro deux, ceux qui ne sont pas son peuple. Tu ne peux pas rester neutre, ni pour Dieu, ni pour le monde. Tu n'es ni pour Dieu, ni pour le diable. Tu n'es ni pour Dieu, ni pour le monde. Tu dois soit ici, soit là-bas. Et dit, je vais les séparer, je vais les sortir, je vais les rendre différents. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et puisqu'il y a deux catégories de personnes dans le monde, alors mon peuple, je vais prendre soin d'eux. Ils seront comme les enfants d'Israël lorsque toutes choses va bien avec eux. Il était à Goshen et les autres Égyptiens qui n'étaient pas à Goshen étaient dehors et hors de Goshen, mais dans la même Égypte. Que voici mon peuple, voici ce que je ferai pour eux. Ces gens ne sont pas mon peuple, d'accord. Lorsqu'ils reviendront à moi, alors ils auront les avantages de mon peuple. Et lorsqu'ils deviendront mon peuple dans cette alliance. Qui sont les peuples, qui sont le peuple de Dieu dans l'alliance là? Ceux qui se sont détournés de leurs péchés, ceux qui se repentent, ceux qui donnent tout au Seigneur, leur cœur, leur âme, leur esprit, et ils obéissent à Dieu à tout moment. Ils montrent numéro un par expérience, deux, ils montrent par leur style de vie qu'ils appartiennent au Seigneur et Dieu aussi les reconnaît et dit, je serai leur Dieu. Voilà le verset 39. 39 nous dit, je leur donnerai un même cœur. Même s'ils sont en milliers, s'ils sont 3 millions, 10 millions, 100 millions, chacun d'eux, je leur donnerai un même cœur. Quel cœur s'agit-il? Le cœur qui se soumet à Dieu, le cœur qui se soumet à la parole de Dieu. Le cœur qui veut obéir au Seigneur, chacun d'eux dans la nouvelle alliance, c'est le même cœur que je leur donnerai.
je leur donnerai un même cœur et une même voix. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent à cette nouvelle alliance, ils vont suivre une seule voie, la voie étroite qui mène au ciel. Aucun d'eux ne sera sur la voie spacieuse de péché, sur la voie spacieuse de la dépravation, sur la voie large de permission de faire toutes choses. Mais Dieu dit que je leur donnerai un seul cœur et une seule voix, afin qu'ils me craignent toujours, afin qu'ils me craignent pour, afin qu'ils me craignent toujours. Si on enlève un jour, ce n'est pas toujours. Si on enlève un mois, ce n'est pas toujours. Alors si vous enlevez 6 jours et puis vous venez seulement à l'église, vous craignez Dieu, vous rappelez, vous souvenez de Dieu un dimanche, ce n'est pas ça. Mais il dit toujours, chaque étape de votre vie, lorsque vous venez de connaître le Seigneur, tu deviens son peuple, il devient ton Dieu, et il fait l'alliance nouvelle avec toi, que voici ce que tu dois faire de tout ton cœur, parce que la loi est écrite dans ton cœur, tu dois aimer le Seigneur, et dit qu'il te fera, il fera que tu le craignes pour toujours, pour leur bonheur et celui, aussi longtemps que tu crains le Seigneur, que tu l'aimes, c'est pour ton bien. Le bonheur, la bonté de Dieu sera là à tout moment. Les bénédictions de Dieu seront là à tout moment. Il va te combler de bénédictions chaque jour. Parce que tu aimes le Seigneur, tu crains le Seigneur, tu obéis au Seigneur. Et il n'y a pas de jour qui manque où tu ne crains pas le Seigneur pour le bonheur et celui de leurs enfants après eux. Le verset 40 qui nous dit: je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. En fait, quand vous venez à la nouvelle alliance et vous venez selon les conditions de la nouvelle alliance, vous n'êtes pas là, un peu dedans, un peu dehors, tu es ici, tu sors, tu es debout, tu tombes, tu deviens prodigue et tu deviens normal. Non, tu demeures un véritable enfant de Dieu, docile, obéissant au Seigneur à tout moment, que tu ne vas pas te détourner ou t'éloigner du Seigneur. Tu vas l'expérience de la foi, tu vas expérimenter la foi chrétienne, l'expérience de Christ reste stable. Alors, chaque fois, la vie que tu mènes montre que la loi de Dieu est écrite dans ton cœur. Cela montre que tu es obéissant au Seigneur à tout moment. Et c'est ce que le Seigneur fait par l'expérience que nous avons. Nous avons le salut, nous avons la sanctification. Notre cœur est renouvelé, c'est totalement nouveau. Et parce que tu vis intimement avec le Seigneur à tout moment, et ces bénédictions seront aussi sur nous à tout moment. Et on va à Jérémie 50, Jérémie chapitre 50, Jérémie 50, verset 5. Ils s'informeront du chemin de Sion et tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Les gens qui viennent dans une relation d'alliance avec le Seigneur, ils disent aux autres: venez au Seigneur, viens au Seigneur et joignons-nous ensemble et ayons une alliance éternelle avec le Seigneur. Mais il y a des gens qui disent, qui vont dire qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont sauvés et ils ne parlent à aucune autre personne de sortir du monde et venir au royaume de Dieu. Et le désir n'est pas en eux, la passion n'est pas en eux. Et la volonté et la conviction n'est pas en eux. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu sors des ténèbres à la lumière, tu sors de tes péchés, de ta dépravation, et tu viens au Sauveur. Tu sors du moi, et maintenant tu es sanctifié dans le Seigneur, et la même passion en toi, tu vas vouloir que cela soit en eux, la même la conversion que tu as, tu vas vouloir que les autres en ont et tu parles de cela à tout le monde dans ton bureau, tout le monde dans ta communauté, tes proches,
et tous les contacts dans ton téléphone, tu dis venez, 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 joignons-nous ensemble. Et tu dis attachez-nous à l'église. Tu t'attaches au Seigneur d'abord, tu t'attaches à Christ d'abord. Le salut devient la réalité dans ta vie. C'est après cela qu'ils sont au Seigneur, sont dans le Seigneur, qu'ils vont venir au Seigneur, à l'église. S'ils viennent au Seigneur, s'ils viennent à l'église sans venir au Seigneur, cela ne leur donne pas la relation et l'héritage que le Seigneur a stipulé dans l'alliance. C'est-à-dire, venez attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle. Une alliance que lorsque la personne vient, la personne sait qu'il ne va pas retourner en arrière, il ne va pas retourner au péché, il ne va plus retourner à ce grand, il ne va plus retourner à ces choses mauvaises qu'il faisait. Parce que voici une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Je prie que tous ces avantages, la vie, l'amour, la loyauté, que tout soit scellé sur notre cœur au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, verset 26 du moins. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Ils ne vont pas se bagarrer avec moi. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Nous serons en paix ensemble. Tu vas te réconcilier avec Dieu. Ton esprit se réconcilie avec Dieu. Ton cœur se réconcilie avec Dieu. Tu as la paix. Tout ce qui te concerne se réconcilie avec Dieu. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On ne combat plus Dieu, ne luttons plus avec les exigences de Dieu. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu as fait alliance avec Dieu. Oui, les provisions de base, c'est que tu as une alliance de paix avec lui. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. On peut voir ce que le Seigneur dit ici, que lorsque cette nouvelle alliance vient, ce ne sera pas que tu es dedans, dehors, tu tombes, tu te relèves, mais que tu demeures avec le Seigneur et l'alliance qu'il a faite avec toi sera en toi et dans ta vie et ce sera une alliance éternelle. Et on va Ézéchiel 36 maintenant, verset 25. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez pur. Toute impureté dans le cœur, dans votre vie, dans votre caractère, toute hypocrisie, le Seigneur efface tout. Tout prétexte, le Seigneur ôte tout. Toute séduction, le Seigneur ôte tout. Toute souillure, la souillure dans le caractère, la souillure dans ton langage, dans ton style de vie, la souillure dans le secret, la souillure en public. Tout ce qui souille ton âme, ou bien transfère la souillure à une autre personne, le Seigneur purifie cela. C'est l'avantage de base, le privilège de base que nous avons dans la nouvelle alliance. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Tout ce que vous idolâtrez, ce que vous élevez au-delà de Dieu, au-delà de la parole de Dieu, et tu ne peux vivre sans cela. Tu dis que Dieu, je vais avoir cela. Si tu vas faire de moi ton enfant, que je demeure ton enfant, avec la permission que j'aime ceci par-dessus toi, donc je vais accepter. Mais si tu ne me permets pas de faire ce que je veux, d'aimer ceci, quelle que soit la chose, l'argent, appelez-le le boulot, quelle que soit la chose, l'éducation à l'étranger,
quelle que soit la chose, les choses que les gens font, peut-être un homme, une femme, quelle que soit la chose, si tu me permets d'aimer ceci au-delà de ta personnalité, donc je vais rester avec toi. Sinon, je ne peux pas faire ça. Dieu dit que je ne peux pas faire ça. Je ne vais jamais partager ma gloire avec un homme, avec une femme, avec une substance. Mais si tu viens dans cette nouvelle alliance, je te purifierai de toute souillure et de toutes tes idoles. Et puis le verset 26 nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le cœur endurci de Pharaon ne peut pas aller ensemble avec l'alliance. Le cœur de pierre de Nebuchadnezzar ne peut pas aller ensemble avec la nouvelle alliance. Et la rébellion de Ésaü ne peut pas aller ensemble avec l'alliance. Si nous sommes dans l'alliance, le cœur de pierre doit être ôté, le cœur du est ôté, la rébellion est ôtée. Et si nous sommes dans l'alliance avec lui, en réalité, que Dieu lui-même comprend et reconnaît qu'il confirme cette alliance avec lui, va ôter le cœur de pierre de Pharaon et le cœur endurci de Nebuchadnezzar et le cœur insensé de Hérode, il ôte cela. Étant en alliance avec le Seigneur, les privilèges que nous avons, c'est qu'il ôte le cœur de pierre, il ôte le cœur têtu, il ôte le cœur égocentrique et nous donne le cœur de Christ. Et puis il dit, je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27 dit, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. On devient un homme soumis, une femme soumise, un homme contrôlé, une personne, un homme discipliné, une femme disciplinée. Et lorsque nous venons en contact avec le Seigneur et que le Seigneur fait cette nouvelle alliance avec nous, on ne quitte plus le Seigneur, on ne fait plus ce qui nous plaît, mais nous faisons ce qui plaît au Seigneur. Je mettrai mon esprit en vous pour vous diriger, pour vous guider, pour vous contrôler, pour vous aider à mener la vie de justice. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Nous allons à Luc. Luc 1, 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. La nouvelle alliance est une sainte alliance. Vous comprenez? Oui. Et une sainte alliance avec un caractère malsain ne peut pas vivre ensemble. Quand nous venons au Seigneur, Dieu est un Dieu saint. Nous avons un saint caractère. Il a fait une sainte alliance avec nous. L'alliance du Seigneur ne nous rend pas plus pécheurs, plus iniques, plus désobéissants, plus mauvais, plus charnels, plus mondains. L'alliance du Seigneur, c'est une alliance sainte qui nous rend saints. Parce que ce sont ceux qui peuvent marcher avec le Seigneur. Verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Il faut dire amen avant que je vous explique ça. Il vous délivrera de tous vos ennemis. Mais vous savez, quelqu'un dit par observation que nous sommes nos pires ennemis.
nos pires ennemis, la bonté du Seigneur devant nous, mais au-dedans de nous, nous empruntons la mauvaise direction. Dieu dit, ah ouais, si c'est la voie qu'il veut emprunter, donc que j'attende voir ce qu'il va obtenir en empruntant sa propre voie. Nous sommes nos pires ennemis. Nous mangeons ce qu'on ne doit pas manger. Nous sommes notre pire ennemi. On boit ce qu'on ne doit pas boire. Nous sommes notre pire ennemi. Et nous prenons ce qui détruit notre santé. De qu'un le fume, donc toi aussi tu le fumes, tu te tues. Et certains s'énervent et se battent et sont violents et tu t'énerves. Et lorsque tu te fâches de cette manière, quelqu'un qui sait comment le corps agit, on va te dire les sécrétions seront activées dans ton organisme et la colère vient frapper ton cœur. Parfois tu fais des choses physiques qui vont te faire perdre ta liberté sur terre. Parce que lorsque nous sommes notre pire ennemi, il n'y a personne qui puisse vous détruire si vous ne vous êtes pas détruit. Et Dieu dit que je vous délivrerai de la main de vos ennemis. Et tous les autres ennemis ne seront pas en mesure de vous vaincre si vous êtes délivré de cet ennemi au-dedans. Laissez-moi vous l'illustrer. Voyez, Pharaon et les Égyptiens, ils étaient ennemis aux enfants d'Israël. Et Dieu les a traités. Mais les enfants d'Israël étaient eux-mêmes leurs pires ennemis. Ils murmuraient, ils se plaignaient, ils parlaient contre Dieu. Ils ont parlé du que même ce pays où coule le lait, le miel, qu'est-ce que je dois faire avec ce Dieu? Dit d'accord, vous ne voulez pas aller là-bas. Et ils étaient morts au désert. Pharaon ne pouvait pas les tuer. Les Égyptiens ne pouvaient pas les tuer. Ils étaient ennemis, mais ils étaient délivrés de la main des ennemis. Mais eux-mêmes étaient avec leur bouche, avec leur caractère, avec leur désobéissance. Regardez, Corée, et Dathan et Abiram, ils sont eux-mêmes qui se sont détruits. Le Seigneur nous dit, quand tu viens dans cette relation d'alliance avec le Seigneur, le pire ennemi, ton caractère, ton comportement, ta vie, annule toute la bonté de Dieu dans ta vie. Le Seigneur va te délivrer de tes pires ennemis et des autres ennemis environnants. Où qu'ils soient, qui qu'ils soient, le Seigneur t'en a déjà délivré. Et dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Je n'ai pas entendu votre amen. De le servir sans crainte. La meilleure chose, c'est d'être totalement affranchi de la crainte. Parce que c'est alors que tous les talents en toi vont émerger. La meilleure chose pour toi, c'est d'être totalement affranchi de toute crainte, la crainte du passé, du présent, du futur. Quand tu es totalement affranchi de la crainte, tu peux bien penser, tu peux bien parler, tu peux bien planifier, tu seras en mesure d'aller à la bonne direction. Mais si tu as peur, tu es stagné, tu es empêché par la crainte, tu es détruit par la crainte, mais c'est lorsque Dieu t'as délivré de toutes tes craintes, tu vas mener la vie que tu n'as jamais à mener au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un fuit l'école? C'est la crainte. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un dit que je ne peux plus faire cela, je ne peux pas lire cela, je ne peux pas faire cela? C'est la crainte. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un craint en sorte qu'il ne peut pas parler à l'homme ou la femme que Dieu lui a montré que ce sera ta femme? Qu'est-ce qui fait que l'homme là n'est pas en mesure de parler? C'est la crainte. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. Je ne sais pas ce que le comité de mariage va dire. Je ne sais pas ce que sera. C'est la crainte. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va demeurer sous l'oppression? Et puis, il y a quelque chose que tu ne sais, tu n'aimes pas. La chose arrive dans le mariage et quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne peux pas parler à ton pasteur, tu ne peux pas parler au pasteur de groupe, tu ne peux pas parler aux dirigeants, tu ne peux parler à personne et tu es là-bas
enfermé là-bas, tu souffres. Qu'est-ce qui fait qu'une personne demeure de cette demeure et dans ce niveau et à ce niveau et meurt dans le silence sans chercher le secours? Voici le problème que tu as. Et tu as des gens qui peuvent t'aider, des experts dans ce domaine. Qu'est-ce qui fait qu'une personne ferme sa bouche sans parler? C'est la crainte. Toute la crainte qui vous a empêché dans le passé, toutes les craintes qui ont amuselé votre bouche et vous ont plongé dans la boue. Cette année, la peur l'a ôté. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, tous les ennemis, de le servir. Dites-le-moi comment. Dites-le-moi de le servir sans crainte. Te voici, tu pries à l'église et tu dis, maintenant, je vais prêcher l'évangile. Je vais faire cela. Et puis, tu sors après le culte et tu es dans le bus, dans le taxi, mais quel que soit le moyen de transport, le Seigneur t'a rappelé ce que tu as dit, que tu feras ceci et cela. Et maintenant, lève-toi et fais-le. Et tout ce que tu as dit au cours du culte de l'Alliance, tout ce que tu as dit en parlant au Seigneur, Seigneur, voici ce que je ferai. Lève-toi, les gens sont ici maintenant. Lève-toi et parle aux gens maintenant. La crainte, tu ne peux pas à cause de la crainte. Et tu retournes à la maison, tu dis que tu pries, tu dis que Dieu, pardonne-moi, j'ai dit que je fais ceci. Mais la crainte s'est agrippée à ma vie, je ne peux pas. Toutes les craintes qui nous empêchent de faire ce que nous avons promis de faire, et cela nous a empêché de faire ce qu'on doit faire. Que le Seigneur ôte toute forme de crainte de notre vie au nom de Jésus-Christ. Et verset 75, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Ouais, devant lui, vous êtes conscient. Si vous êtes dans une alliance, vous êtes dans une relation d'alliance avec le Seigneur, chaque fois vous êtes conscient devant le coup, je suis devant le Seigneur, c'est comme tu vois l'invisible et ce que le Seigneur espère, c'est de le servir dans la sainteté et dans la justice tous les jours de sa vie. C'est ce que tu fais. La grâce sera là, la volonté sera là, la puissance sera là et dans la sainteté et dans la justice. Combien de jours? Dites-le à haute voix, tous les jours de notre vie. Allons aux actes 3. Actes chapitre 3. Actes 3, 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. Nous sommes les fils. Nous sommes les descendants, la postérité de ces prophètes, de ces pères, de ces prédécesseurs. Et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies, délivrées, sauvées en ta postérité. Toutes les familles de la terre seront délivrés, sauvés, transformés et leur vie différente en ta postérité. Verset 26 dit, c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun. C'est l'alliance ça. C'est la provision de base et le privilège de base de l'alliance. Que Christ, qui est venu, il est le médiateur de la nouvelle alliance ou de meilleure alliance et il nous bénit en détournant chacun de ses iniquités. Je prie que cela se produise dans votre vie. Pas seulement le pain et le bain. Il y a la provision du pain et du bain, mais il y a la provision du bonheur. Pas seulement la santé, c'est merveilleux. La santé est disponible. Mais la première chose, le premier avantage de base du ciel, c'est que le Seigneur nous détourne de nos iniquités. Qu'est-ce que cela veut dire?
de détourner chacun de ses iniquités. Il détourne ta pensée. Tu n'aimes plus la chose là. Tu ne reçois, tu n'accueilles plus la chose là. Tu n'apprécies plus la chose là. Tu n'aimes pas, tu n'apprécies plus, tu ne chéris plus la chose là. Parce que Christ, par sa grâce salvatrice, Christ, par la provision de la nouvelle alliance, détourne ton esprit de cela. Tes amis peuvent t'offrir ceci et ceci et cela. Mais je ne m'intéresse plus à cela. Mais que veux-tu dire? Et, mais tu aimes ceci, non? Mais c'est ta vie, non? Non, mais moi je ne m'y intéresse plus. Parce que le Seigneur a ôté ton cœur de ton iniquité. Parfois, c'est quelque chose pour laquelle tu as payé une fortune. Tu as sacrifié ta vie pour cela. Maintenant, tu as vu que c'est l'iniquité. Cela détourne ton cœur du ciel. Et maintenant, tu viens au Seigneur et tu as cet avantage de base, ce privilège de base de la nouvelle alliance. Quelqu'un dit que, viens, j'ai vu une percée et on peut avoir la chose là. Tu dis quoi? Il a mentionné la chose et que tu as, mon esprit n'est plus là. Je ne veux plus cela. Pourquoi? Parce que tu es devenu un enfant de l'alliance. Parce que tu as maintenant, tu as fait l'alliance avec le Seigneur et toutes choses mauvaises, toutes souillures, toutes décisions que tu avais prises, les choses que tu aimais là, tout cela est ôté. Ça, c'est la provision et c'est le privilège de l'alliance. Je prie que le Seigneur effectue cela dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Voyons le deuxième point ici. Les promesses meilleures dans la meilleure alliance. Les promesses meilleures dans la meilleure alliance. Nous allons aux Hébreux. Hébreux chapitre 8. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur. Un ministère de temps supérieur. Moïse avait un ministère, mais le ministère de Christ est plus excellent. Josué avait un ministère, mais le ministère de Christ est d'autant supérieur. Tous les prophètes avaient un ministère, mais le ministère de Christ est plus excellent. Alors, il change le cœur, il transforme le cœur. Il fait ce que ses ministres dans leur ministère n'avaient pas pu. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Pensez-y. Tout ce que Aaron a fait en tant que souverain sacrificateur, tout ce que les autres souverains sacrificateurs avaient fait dans l'ancienne alliance, maintenant Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Quelles sont ces promesses-là? De meilleures promesses. Peut-être tu lis la parole de Dieu et puis tu fais le contour de toute la chose. Ou bien tu passes, ou bien tu surpasses la, tu passes, tu passes sur ce que la parole de Dieu a dit. Et voyons ce que la parole de Dieu nous dit en Tite 1, voyons le verset 2 qui dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens, tant par le Dieu qui ne ment point. Qu'avons-nous la vie humaine, la vie naturelle, la vie animale, la vie ordinaire, la vie pécheresse, mais dans cette nouvelle alliance, la promesse que Dieu nous a donnée, la promesse qu'il nous a faite, et la promesse de la vie éternelle, il nous donne la vie éternelle, et voici le Dieu qui ne ment point. Si tu n'as pas cette nouvelle vie, cette vie de conversion, cette vie transformée, changée, alors, quel type de vie auras-tu dans la nouvelle alliance, de la meilleure alliance? Nous devons prier le Seigneur. Nous devons savoir ce que nous demandons au Seigneur. Si tu as de la nourriture, ce n'est pas la vie éternelle.
si tu as l'eau, les choses naturelles, la nourriture, non, ce n'est pas la vie éternelle. Si tu es bien instruit, même les gens au dehors là-bas ont des diplômes. Si tu as le boulot, les gens dehors là-bas ont le boulot. Si tu as ceci, les gens dehors aussi en ont. Si tu veux montrer que tu as la promesse, les meilleures promesses, les meilleures promesses que ce que les gens ont dehors là-bas, tu dois avoir la vie éternelle qui te donne l'espérance en Dieu. Et c'est le Dieu qui ne peut mentir qui nous donne ceci. Et il donne cela à tout le monde. Verset 3 dit: et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Voyons 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont prophétisé au sujet de la Nouvelle Alliance, au sujet de ce que Christ fera lorsqu'il viendra, ils faisaient leur recherche, ils investiguaient de quel type de promesses écrivaient-ils. Et verset 11 nous dit: voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Le verset 12 dit: il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, de meilleures promesses, que le salut qui promettait, le salut qui révélait, ces prophètes, ces gens de l'ancienne alliance, que ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est le salut. Le salut qui est si réel, l'accomplissement de base et le meilleur accomplissement des promesses de Dieu, que ce que les gens de l'ancienne alliance n'avaient pas, nous pouvons en avoir. Vous pouvez en avoir un meilleur salut quand tu penses à cela. Regardez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Regardez les choses qu'ils ont prophétisées. Regardez même leur lumière brille resplendissante. Ceux qui ont parlé, ils ont parlé par le Saint-Esprit en eux. Cependant, le salut qu'ils avaient n'est pas aussi bon, aussi ferme, aussi clair, aussi pur que notre salut. C'est dit qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile, la bonne nouvelle, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Voyons 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés sauvés, bien-aimés justifiés, bien-aimés qui sont dans le royaume de Dieu, bien-aimés, regardez les promesses que vous avez. Ayant donc de telles promesses, plurielles, la promesse du salut, la promesse du cœur changé, la promesse d'un nouveau cœur, la promesse de se dépouiller du cœur endurci, du cœur de pierre, la promesse d'avoir la nature de Christ en nous. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair,
C'est une meilleure promesse qu'on a, que maintenant on est purifié, on est sauvé, on peut être sanctifié. Et la nature de Christ peut être implantée en nous. Et purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. En achevant notre sanctification, c'est-à-dire que nous avons la sainteté, mais c'est la sainteté mais qui a de la poussière. Donc il faut épousseter cela. Et on a la sainteté, mais il y a parfois quelques caractères, quelques habitudes qui font que les gens doutent que est-ce que ça c'est la sainteté, est-ce que c'est tout ce qu'il peut faire. Cette sainteté n'est pas meilleure que celle des gens de l'Ancien Testament. Voici la sainteté qui nous a promise, une sainteté brillante, une sainteté non compromettante, une sainteté qui est là, transparente pour toujours. La sainteté que tu ne dois pas ouvrir tes yeux, écarter tes yeux pour chercher. Tu vois la sainteté là-bas et dit, purifions-nous de toute sueur, de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est la nouvelle alliance. C'est ce que le Seigneur a pourvu. Si tu me dis que je suis dans la nouvelle alliance, mais il n'y a pas la crainte de Dieu dans ton cœur, il n'y a pas la crainte, il n'y a pas d'égard pour Dieu. Et Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Et Dieu a les yeux purs pour ne pas regarder l'iniquité. Tu dis que tu es sauvé, tu dis que tu es dans la nouvelle alliance. Je dis, mais relis ceci. Quand il veut que tu te purifies à tout moment, que tu achèves la sanctification dans la crainte de Dieu. Et maintenant, Luc 24, sauvé, le salut, c'est une promesse. Être sanctifié en achevant la sanctification, c'est la promesse. Il nous dit, il y a quelque chose maintenant qui accompagne la paix, la pureté, et c'est la puissance de Dieu. Luc 24, verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et 47 dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes repentis, vous prêchez cela aux autres et tu as purifié ton passé, tu as fait la restitution, prêcher cela aux autres, faut pas cacher cela, la repentance, la restitution, faut pas cacher cela, la repentance qui va transformer ta vie. Alors, es-tu plus juste que tu ne l'étais lorsque tu étais né de nouveau? Lorsque tu étais né de nouveau, c'était ta passion de corriger tous les torts. Ouais, tu te rappelles bien, non? Tu vas, tu demandes pardon, tu paies tes dettes, tu corrige les choses, tu étais dans la polygamie, tu as corrigé cela, et la femme supplémentaire, tu l'as relâchée, elle est partie. Tu sais que les relations illicites que tu avais avec la femme, avec l'homme, là, tu as abandonné cela, les bons vieux jours. Oui, ta justice maintenant doit être plus élevée, ta fidélité maintenant doit être plus élevée. Oui, tu savais, non, à ce temps-là, si j'ouvre ma bouche et je confesse cela, je serai dans le problème. Alors, je pourrais même pas de souci cela, mais tu vas et tu fais ce que le Seigneur veut que tu fasses parce que tu avais le salut authentique. 20 ans, 30 ans, 40 ans passés, tu ne peux plus maintenant embrasser la même repentance, la même restitution, la même justice. Où est la meilleure alliance maintenant? Le Seigneur veut qu'on ait un tel cœur. Je veux être en état avec Dieu. Quel soit ce que l'autre la pense de moi, cela n'importe pas. Je vais rester du côté de Dieu. Je vais rester avec la repentance, la restitution, la justice et corriger tout ce qui va mal. Et le verset 49 nous dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville, cela veut dire que dans votre église locale, cela veut dire que ici où nous sommes,
Cela veut dire que partout où nous nous trouvons, restez. Alors, faut pas être trop empressé. Tu es trop empressé. Rapidement, quand termine le message, mais on parle au corps international. Oui, le corps international n'aura pas le salut, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Prêchons, cessons rapidement. Et dès que on finit le message, il n'y a pas la prière, on court, retournons à la maison. Mais pourquoi on court? Ce que tu es, est-ce que tu es satisfait? Dieu nous a dit de rester. On n'obéit pas au Seigneur, on s'intéresse à d'autres choses, on court par-ci, par-là, on ne s'intéresse pas à rester devant le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Regardez ce qui est dit là-bas. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Est-ce que nous obéissons au commandement du Seigneur aujourd'hui, que lorsque nous avons entendu la parole de Dieu, on ne doit pas courir, fuir la parole de Dieu, rentrer chez nous. Il faut rester, il faut attendre. De ne pas, mais d'attendre. Est-ce qu'on va attendre aujourd'hui dans la prière? Attendre? Est-ce qu'on va fuir aujourd'hui? Qu'on va aller fêter? Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cela va se produire. La puissance va revenir. L'église entière, même les églises pentecôtistes n'ont plus la puissance aujourd'hui, ils n'ont pas la vision aujourd'hui, ils n'ont pas la passion du Seigneur aujourd'hui, et les églises n'ont pas la foi, la foi qu'elles doivent avoir, parce que toutes les églises partout, et inclusivement notre église, se dépêcher, on ne peut plus prier, on prie 5 minutes, on sonne de la sonnette quelque part, et on prie un peu quelque chose, dérange quelqu'un là-bas, parce que nous-mêmes, on se dépêche, il y a des gens derrière le rideau, eux aussi, ils sonnent l'alarme, et on veut que tout le monde se dépêche, et il détermine la durée du message, il détermine la durée de notre présence devant le Seigneur et comment on agira avec le Seigneur. Il nous surveille, il nous modère, il nous contrôle, il nous empêche, il nous surveille. Dans les années écoulées, c'est ainsi qu'on a raté bien de choses. Mais dans cette nouvelle année, les choses seront différentes. Nous serons différents. Je serai différent. Nous allons voir la différence à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il s'adressait à tous les croyants, non seulement que le pasteur va recevoir la puissance, c'est pas que les prédicateurs vont recevoir la puissance, c'est pas que nos dirigeants vont recevoir la puissance, mais tout le monde, il nous a sauvés, il nous a sanctifiés, et il veut nous baptiser. Il veut nous baptiser du Saint-Esprit. Mais vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes loin de Jérusalem. Tu es loin de Jérusalem. Tous ceux qui sont en ligne, vous êtes loin de Jérusalem. Et il dit, nous tous, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur veut que nous attendions jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut qu'on reçoive la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Nous allons la voir. Cette année sera l'année
du nouveau réveil du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu. Élevé par la droite de Dieu, cela parle de Christ. Il est mort pour nos péchés. Il est enseveli. Il est ressuscité pour notre justification. Et après avoir apparu à ses disciples par des preuves ineffables, qu'il est ressuscité. Et maintenant, il est monté au ciel. Alors, il est maintenant assis à la droite de Dieu au ciel. Il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a reçu pour te l'offrir. As-tu reçu du Père la promesse du Saint-Esprit? Lui, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 38 nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous le baptême d'eau. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon, pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Examinez votre vie. Avez-vous le don qu'ils avaient, le don du Saint-Esprit, la puissance qu'ils avaient, la puissance du Saint-Esprit, l'onction qu'ils avaient, l'onction du Saint-Esprit, c'est la chose meilleure. Toutes les autres choses qu'on a, la guérison, et ils étaient guéris dans l'Ancien Testament, délivrés, ils en étaient délivrés aussi. Mais la nouvelle alliance, la meilleure alliance, la lumière resplendissante des saints, la vie consistante de ceux qui sont nés de nouveau, la pureté, la sainteté, la sanctification que les gens de l'Ancien Testament, plusieurs n'avaient pas, et la puissance du Saint-Esprit, que plusieurs de ces gens dans l'Ancien Testament n'avaient pas, parce que Christ n'était pas glorifié. Maintenant, il est à la droite du Père et dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 dit, car la promesse est pour vous. C'est la promesse dans la nouvelle alliance, c'est la promesse dans la meilleure alliance, c'est la promesse de l'immersion, d'être revêtu de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit, que la promesse là est pour vous, pour vos enfants, pour vos convertis, pour ceux qui suivent et pour tous ceux qui sont au loin. Nous sommes les gens qui sont au loin, les païens. Cependant, la promesse du salut pour nous, la promesse de la sanctification pour nous, la promesse du Saint-Esprit pour nous, et dit ceux qui sont au loin, la promesse de l'affranchissement total du pouvoir des ténèbres du monde, la promesse que le Seigneur a faite. Je vais vous poser encore une question. Depuis que tu es venu au Seigneur, as-tu reçu cette pureté, la pureté parfaite? As-tu reçu ce type de sainteté, la sainteté parfaite? As-tu reçu cette vie consistante, qui ne succombe à aucune tentation, et tu es affranchi de la vie passée, de l'habitude passée, si tu n'as pas cela. Pourquoi? Alors que la promesse est pour toi, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Avons-nous la stabilité ce jour? Avons-nous la fermeté ce jour? Il y a des gens, regardez nos enfants, et dis-moi, si tu me vois, regardez ma fille, regardez mon fils, il était fervent et il dirigeait la prière à l'autel de la famille. Quand l'enfant prend la Bible, lorsqu'il était avec nous, il va partager la parole avec les élèves même. Parce que maintenant, mon enfant maintenant est allé à l'école, je l'ai envoyé à l'université et de retour, je suis surpris de ce que je vois dans mon enfant. Mon enfant ne désire plus la Bible.
Bon, la parole n'est plus en lui, même nous joindre, mais se joindre à nous dans la dévotion de famille, il ne faisait plus cela. Mais le feu qu'il avait avant d'aller à l'université, le feu là s'est éteint. Pasteur, aidez-moi. Avant que notre enfant n'aille à l'école, l'enfant était pur, l'enfant était juste. Et l'enfant ne touche rien de mauvais. Maintenant, l'enfant est revenu. Lorsqu'on l'examine, lorsqu'on fouille sa valise, on voit des choses qu'on boit, qu'on fume, qui tournent leur cerveau. Pasteur, aide-nous. Regardez la promesse qu'il nous donne. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour nos étudiants, pour nos convertis, pour tout le monde. Où sont-ils aujourd'hui? Où est la vie de la nouvelle alliance dans la vie aujourd'hui? Et nos ouvriers, nous venons à nos membres. Où est la vie des membres ce jour? Les membres de notre église qui vont s'agenouiller, prier 1h30 là-bas. Quelqu'un va leur rappeler. Voici l'heure. Ils vont retourner, ils vont revenir encore. Ils vont mettre leurs choses de côté et s'agenouiller, prier bien. La nuit, ils vont se réveiller, prier. Où est cela ce jour? C'est ce que nous disons. Voici les avantages de la nouvelle alliance que le Seigneur lui-même nous a pourvu. Que cette vie de paix, cette vie de pureté, cette vie de puissance doit revenir à votre vie au nom de Jésus-Christ. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Romains chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. C'est pas la foi. Pour que la promesse soit assurée à toute la postérité d'Abraham et la postérité de ceux qui viendront connaître le Seigneur. Et puis ça dit non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, le verset 20 nous dit, il ne douta par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, quelle que soit la promesse de Dieu, la promesse que Dieu a faite pour la paix pour toujours, la paix dans le cœur, la paix dans le langage, la paix dans la vie, la paix dans la famille, la paix autour de nous, la paix parfaite. Mais il y a des gens qui doutent de cela. Comment cela peut arriver? Mais la promesse que Dieu a faite pour nous rendre saints tous les jours de notre vie devant Dieu, on dit, mais comment cela peut arriver? Comment quelqu'un peut mener une vie de sainteté toute une semaine, jour et nuit, au-dedans et au-dehors, en privé et en public? Comment quelqu'un peut demeurer saint avec les interactions avec les gens, avec le monde autour de nous? Comment quelqu'un peut mener? Il ne douta point. Les gens doutaient de la promesse de Dieu et la puissance du Saint-Esprit en nous. Comment cela permet que quelqu'un vive sans crainte, sans faiblesse, que quelqu'un vive sans couardise, sans pusillanimité, que quelqu'un vive et que la personne soit intègre, ferme, même au sein de la persécution? Comment cela peut arriver? C'est ce que le Seigneur a promis. Mais les gens doutent de la promesse de Dieu. Mais ici, c'est dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 21 dit, cela nous dit l'attitude d'Abraham, cela nous dit la foi d'Abraham, cela nous dit la fermeté d'Abraham, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir cette année. Sera une année d'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. L'accomplissement dans ma vie, la démonstration dans ma vie, la bonté de Dieu dans votre vie, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, c'est la position du croyant dans l'alliance éternelle. La portion, quelle, la position ou la portion, quelle portion
avons-nous dans l'Alliance éternelle? Psaume 73, 24. Psaume 73. Psaume 73. 73. 24. Tu me conduiras par ton conseil. C'est la position que nous avons, la portion que nous avons dans la Nouvelle Alliance. Tu me conduiras par ton conseil et puis tu me conduiras, tu me recevras dans la gloire. Verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Le cœur qui exalte le Seigneur, qui exalte Christ, la seule personne que tu es, c'est le Dieu du ciel, Christ au ciel. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Oh, que c'est vraiment une expérience que tu es si sauvé, tu es si sanctifié, que la seule personne importante à toi, la seule personne indispensable à toi, ici sur terre et là dans la gloire, c'est le Seigneur qui est au ciel. Et il n'y a personne, il n'y a rien en quoi tu prends plaisir. Est-ce que tu peux dire cela? Si le succès est ton numéro un, après cela, que si j'ai le succès, je vais servir le Seigneur. Est-ce que tu peux dire que si la femme est ton numéro un, tu cherches la femme et il parle de sainteté. Moi, je cherche un mari et il parle de justice. Est-ce que tu peux dire que si la femme, le mari est le numéro un dans ta vie, moi, je cherche des enfants et on parle de consécration, de dévotion, de la soumission absolue au Seigneur. Est-ce que tu peux dire, si avoir des enfants, chercher du boulot, avoir des voitures, avoir des biens célestes, si, avoir des biens terrestres, si cela est le numéro un. Si ton christianisme, ta profession, est que je sers Dieu, comme je sers Dieu, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Voyez le verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Voilà le verset 26. 26 nous dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Dieu sera là. Il est le rocher de mon cœur, la force de ma vie, ma portion éternelle. Dieu d'abord, je le veux. Je veux son amour. Je veux sa provision. Je veux tout ce qui appartient au Seigneur. Je veux donner mon cœur, ma volonté, mon esprit, tout ce que j'ai au Seigneur. Il est la joie de ma vie. Il est le bonheur de ma vie. Il est la seule personne que je désire. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est ma portion éternelle. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Avec lui, Christ, le sauveur, ma portion. Christ, le sanctificateur, ma portion. Christ, le Seigneur, ma portion. Mon contrôleur, Christ, tout dans ma vie. Avant de demander des habits, demander de l'argent, du boulot, demander avoir une femme, un mari, demander avoir des enfants, ceci et cela, Christ d'abord. Christ, Dieu, Christ n'a pas épargné sa vie. Le Père n'a pas épargné son Fils. Il nous l'a donné en tant que sauveur. Ce doit être la portion la plus précieuse que j'ai. Et après cela, et alors, il a été donné pour nous afin de nous sauver, numéro un. Il peut nous purifier, nous sanctifier, deux. Il peut nous revêtir de puissance, nous envelopper de sa puissance, nous baptiser dans le Saint-Esprit numéro 3. Et comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses
avec lui. Voilà le verset 35. 35 nous dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Ceux qui sont des chrétiens de pain et de beurre, des chrétiens faibles, disent que Dieu, moi, je ne pense pas du ciel, hein, ce que je veux là. Ce sont les biens matériels. J'ai besoin de ceci, les choses de ce monde. S'il y a une persécution, ils disparaissent. S'il y a un malentendu, ils fuient. Si quelqu'un veut les contrôler, il ne faut pas aller comme ça. Viens ici. Non, non, moi, je ne veux pas ce que je veux. Je veux la bénédiction. Je veux garder ma vie. Mais qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. Enfin, le verset 36 nous dit, selon qu'il a été écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37. Mais dans toutes ces choses, dans toutes les persécutions, il y a des prédicateurs qui ne peuvent plus continuer de prêcher. Et s'il y a une petite critique, s'il y a une petite pression, une petite persécution, un petit malentendu, s'il y a une petite critique, une petite douleur dans le corps, je ne peux plus prêcher ce jour. Pourquoi? Donc, regarde mon problème. Quel problème as-tu au-delà de la couronne d'épines sur Christ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et le verset 38 dit, verset 38, car j'ai l'assurance, une âme sauvée à l'assurance, une âme sanctifiée à l'assurance, une âme baptisée dans le Saint-Esprit à l'assurance, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, quel que soit ce qui est présent dans notre communauté maintenant, ni les choses à venir, 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je prie que cela soit votre confession au nom de Jésus-Christ. Deuxième Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ouais, c'est la portion que nous avons dans le Seigneur. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le verset 4 nous dit, lequel nous assure de sa part, c'est notre portion, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine, c'est notre portion ici. Ceci est plus grand, ceci est meilleur que les petites choses et les biens matériels. Et c'est dit qu'il nous donne la nature de Dieu, la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et le verset 5 dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Ça, c'est ce que vous devez chercher, ce que vous devez poursuivre, ce qui doit être votre prière. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, une grande portion, à la vertu, la science, une grande portion, à la science, la tempérance, à la patience, la piété. Voici la portion sur laquelle il veut qu'on se concentre. Le verset 7 est dit à la piété, l'amour fraternel, et tu es considéré, et tu vois ton frère, tu vois que cela va le blesser, alors, parce que tu poursuis l'amour fraternel, alors, ce qui va le décourager, ce qui va l'empêcher,
péché, ce qui va l'empêcher d'aller au ciel, tu mets cela à part. Tu ne vas pas te plaire au détriment de ton frère, de ta soeur. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Verset 8 dit, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 9 dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et le verset 10 dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est ce que nous poursuivons cette nouvelle année. C'est l'alliance que le Seigneur fait avec nous cette nouvelle année. Qu'on s'applique d'autant plus à affermir notre vocation et notre élection. Qu'en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je prie que vous ne branchiez pas. Et le verset 11 dit, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble. Voici notre position, notre privilège, notre portion. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, ayant la nature de Christ. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 4, voici notre portion. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Et c'est notre portion. Christ vit en nous. Le Père vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Et le Saint-Esprit, le Père, le Fils, et la Trinité, le Dieu Trin vit en nous, nous renforce, donne le pouvoir et il nous élève. Et nous donne le don. Et maintenant, nous pouvons vivre et marcher selon la direction du Père, le Fils et du Saint-Esprit. Vos petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Oui, c'est une vie de victoire. Que Dieu nous appelle à la vie de victoire dans la nouvelle année. C'est une vie qui triomphe de la tentation, qui triomphe des choses qui luttent contre nous ou qui ont lutté contre nous dans le passé. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Et notre amour est parfait lorsque vous êtes sauvés, vous aimez les frères, mais l'amour n'était pas parfait. C'est lorsqu'on revient à Dieu, en disant, Seigneur, je veux une plus grande portion de l'amour de Dieu dans mon cœur. Et ici, en cela, l'amour est parfait. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voici la portion qu'on veut avoir. On veut avoir la vie de Christ. Nous voulons avoir l'amour de Christ. Nous voulons avoir l'image de Christ en nous. Que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est notre portion. Nous devons aimer les choses d'en haut plus que celles d'en bas. Qui a dit cela? Le Seigneur, le Saint-Esprit. Que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes mort au monde, vous êtes mort aux choses du monde, vous êtes mort à l'or, à l'argent et aux choses brillantes du monde, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. C'est notre portion. C'est ce que nous avons. Et il nous dit dans ce même Jean 14, 23, le verset 23 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Regardez ceci maintenant. Et mon Père l'aimera. Nous, Christ, avec le Père, déjà au verset 17, il dit, le Saint-Esprit est avec vous et sera en vous. Ici, il dit, nous, le Père et le Fils, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Père vit en toi. Je demeurerai en eux, j'habiterai en eux, ils seront mes fils et mes filles, dit le Seigneur, Christ en vous. Je me tiens à la porte et je tape. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai à lui. Le Père, le Fils en vous, c'est une grande portion, et le Saint-Esprit en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. Alors, ils vont nous guider, nous diriger, nous contrôler, nous montrer la voie, nous donner le pouvoir, nous envelopper, nous montrer la voie que nous devons prendre. Je prie que cela arrive à chacun. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tout soit un. C'est la véritable bénédiction. Nous sommes un avec le Père, un avec Christ, un avec le Saint-Esprit, un avec le ciel, un avec sa parole. Afin que tout soit un, nous sommes un, l'un avec l'autre. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que ceci soit un en nous. Est-ce que c'est notre portion? Et que je suis en toi, je suis en eux, que Christ, afin que ceci soit un en nous, que Christ, le Maître, soit en nous, Christ, le purificateur, le sanctificateur, soit en nous, que Christ, le guérisseur, Christ, le libérateur, Christ, le rédempteur, qu'il soit en nous, que Christ seul, règne et gouverne notre vie. Et comme je suis en toi, afin que ceci soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient la gloire que Christ a reçue du Père. Il nous l'a donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme
nous sommes un. Est-ce que tu peux dire cela? Que tu es un avec les croyants, un avec le corps de Christ, que tu es un avec les enfants de Dieu, comme Christ et le Père étaient un. Si nous ne sommes pas un, si notre cœur est dispersé, et ce qu'on cherche, c'est la guérison, c'est seulement pour le corps. Tout ce qu'on cherche, c'est la nourriture, c'est pour le corps. Tout ce qu'on cherche, c'est les habits pour le corps. Tout ce qu'on cherche, c'est le diplôme pour le boulot. Et le boulot, c'est pour l'argent. L'argent est pour le corps. Tout ce qu'on cherche, toute chose paraît se concentrer sur le corps. Mais notre esprit, notre âme, notre destin, notre éternité, on cherche Dieu, le Sauveur, le Sanctificateur, celui qui baptise dans le Saint-Esprit, le Seigneur, notre vie. On le veut plus que tout. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux, et toi en moi. Toi en moi, le Père en Christ, et moi Christ en eux. C'est-à-dire que notre portion sur terre, c'est que nous ayons le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la parole. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Avez-vous pensé à ceci? Que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je comprends que le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en toi. Et l'amour qu'il a pour le Père a pour son Fils unique, le même amour il a pour toi, tu seras victorieux à tout moment. Et cette année, la victoire pour vous. Cette année, c'est la puissance pour vous. Cette année, la pureté. Cette année, vous aurez la portion du Seigneur dans votre vie. Et tu vis et tu demeures pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Regardez notre portion. Nous l'avons en plénitude ici sur terre. Et puis nous allons au ciel. Là où il est présentement, c'est là que nous serons. Afin qu'il voie ma gloire. Quelle portion avons-nous? La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Le même amour que tu as pour moi depuis l'éternité, je le sens à tout moment. Je connais cela à tout moment. Et je vis par cet amour à tout moment. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Que le même genre d'amour soit en eux. Et que je sois en eux. Moi, Christ, dans sa plénitude, Christ dans toute sa provision, que Christ soit en nous. Et je prie qu'aujourd'hui, que toute promesse que nous avons vue et entendue soit en vous. Que toute provision que nous avons vue, que Christ a faite, soit en vous. Et l'amour du Père, dont il a aimé son Fils unique, selon ce que Jésus lui-même a demandé, que cet amour-là soit en vous. Amen. Dans votre vie, amen. Cette année, amen. Mais
cette année sera différente des années écoulées. Tout le dépêchement de l'année passée, précipitation, ne sera pas cette année. Tout le contrôle. Faut courir, faire vite, il faut finir vite. Ces choses de l'année passée là ne sera pas dans votre année cette année. Au nom de Jésus-Christ, une nouvelle passion pour le Seigneur, un nouveau désir pour le Seigneur, une nouvelle possession pour le Seigneur, une nouvelle fidélité pour le Seigneur. Le Seigneur va vous accorder tout cela au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous prêt pour attendre devant le Seigneur? Êtes-vous prêt à prier? Êtes-vous prêt à envoyer votre SOS, votre désir au Seigneur pour lui dire, Seigneur, me voici ce jour, je ne me déspèce pas, je reste, je suis devant toi, et le Seigneur va nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Où êtes-vous? Tenez-vous debout et dites, Seigneur, me voici. Rappelez-vous la vie du passé, de te précipiter, fuis que cela qui t'a vu maintenant. Lève-toi et ouvre ta bouche au Seigneur et présente tout ce que tu as entendu. Les promesses que le Seigneur lui-même nous a montrées, tu demandes au Seigneur, Seigneur, me voici, je suis prêt à prier, je suis prêt à arrêter devant toi, je suis prêt à espérer en toi. Ouvre ta bouche, prie le Seigneur et le Seigneur va t'exaucer.